La famille de Caillou était partie faire des courses, mais papa passa juste devant le supermarché. Caillou était confus. Papa, t'as loupé le marché! Nous n'allons pas au marché aujourd'hui. Nous allons aller à ce qu'on appelle un marché fermier. C'est quoi un marché fermier, papa? C'est un endroit où les agriculteurs apportent ce qu'ils cultivent. On peut y acheter à manger? Oui, autant qu'on veut, Caillou. Quand ils sont arrivés, Caillou a vu que le marché était très différent du supermarché. La nourriture était placée sur des tables avec un fermier derrière chaque étalage. Et d'où vient toute cette nourriture, papa? Les agriculteurs cultivent la nourriture dans leur ferme et l'amènent ici. C'est très frais. Caillou cherchait des bananes, mais n'en voyait nulle part. Maman, où sont les bananes? Eh bien, Caillou, cette nourriture ici est cultivée localement, mais les bananes viennent de très loin. Les bananes ne poussent pas ici? Non, les bananes viennent de si loin qu'elles ont besoin d'un avion pour arriver au supermarché. Caillou aimait penser aux bananes qui volaient dans un avion. Puis Caillou s'est souvenu de quelque chose. Les fraises peuvent bien pousser ici? J'ai vu grand-mère les cultiver dans son jardin. C'est vrai, Caillou. Mais je ne vois pas de fraises nulle part ici. C'est parce que c'est le printemps. On mange seulement les fraises quand elles sont mûres. Et elles ne seront pas mûres avant l'été. Il y avait plus que des fruits et des légumes sur le marché fermier. Ils passèrent devant un stand avec plein de fromages malodorants. Caillou en a essayé un qui était fait de lait de chèvre au lieu de lait de vache. Il lui trouva un drôle de goût. Burk! S'il y a du lait de chèvre, il doit avoir des petits chèvres près d'ici aussi! Je pense qu'il y en a une juste là, Caillou! Caillou n'avait jamais été aussi près d'une chèvre avant. Le fermier l'a même laissé nourrir la chèvre de sa main. Cette femme aussi est une fermière? Elle a un drôle de chapeau! C'est une fermière différente. Elle élève des abeilles et vend leur miel. Avec ce chapeau, elle ne se fait pas piquer par les abeilles. Caillou a goûté un peu de miel. C'était délicieux. La fermière était si gentille, elle a laissé Caillou essayer son chapeau. Comment tu me trouves, Rosie? Drôle! À une autre table, Caillou a vu des légumes longs et minces. Maman, c'est quoi ça? Ce sont des asperges. C'est un légume. Asperge! C'est un drôle de nom. Caillou aimait tant le mot, il le répéta encore et encore. Asperges! Mais achetons. J'ai une excellente recette de soupe des asperges. Mais j'ai besoin d'un autre légume, Caillou. Peux-tu m'aider? Et ces carottes? Bleh! Elles sont couvertes de boue! C'est parce qu'elles ont été sorties du sol juste ce matin, Caillou, directement de la ferme. À la maison, Caillou a lavé les légumes et maman les a coupés. Puis ils sont passés à la moulinette tous les ingrédients qu'ils avaient achetés. Veux-tu appuyer le bouton? Oui, s'il te plaît! Au souper, ils avaient tous un bol de soupe. Caillou a goûté, mais il n'était pas très sûr s'il l'aimait. Qu'en penses-tu, Caillou? C'est pas aussi bon que les spaghettis, mais c'était bien amusant de choisir tous les légumes. Eh bien, tu vas devoir finir ton dîner si tu veux du dessert. Maman a sorti des bols de glace à la crème arrosée du miel du marché. Caillou pensait qu'il n'avait jamais rien goûté de meilleur. On pourra retourner au marché fermier bientôt? Oui, Caillou. Le prochain est en été, donc on verra ce qui est de saison. Peut-être qu'ils auront enfin des fraises! Caillou et sa famille étaient en route pour cueillir une citrouille pour la fête de Thanksgiving. Caillou était très excité. Il aimait la tarte à la citrouille. J'ai hâte de choisir une citrouille. Je vais choisir la plus grosse.
Citrouille! Bien, voyons ce qu'ils ont là. Regarde, allons-y! Caillou a cherché la plus grosse citrouille du champ. Comment savoir quelle est la meilleure, papa? Eh bien, plus la citrouille est orange, meilleure sera la tarte. Ok, je vais chercher la citrouille la plus grosse et la plus orange possible. Après avoir bien cherché partout, Caillou a trouvé la plus belle citrouille dans tout le champ. En as-tu trouvé une, Caillou? Regarde, papa, cette citrouille est parfaite! Bravo, Caillou! Rosie en a une aussi. Elles feront les meilleures tartes à la citrouille. Citrouille! Une fois qu'ils eurent tous choisi leur citrouille, ils rentrèrent chez eux et commencèrent à cuisiner le repas de Thanksgiving. S'il te plaît, puis-je porter ma citrouille? C'est très lourd, Caillou! Es-tu certain de pouvoir? C'est bon! Je peux le faire! Ma citrouille! Tandis que maman préparait le dîner, Caillou essayait de se remonter le moral en dessinant des dindes, mais cela ne marchait pas. Ça ne va pas, Caillou? Je suis vraiment triste pour ma citrouille. C'était la plus énorme et la plus orangée. Et maintenant, elle est fichue. Courage, Caillou! Viens nous aider à remplir la corne d'abondance. Corne d'abondance? C'est quoi, papa? C'est une grosse corne pleine de nourriture pour montrer notre reconnaissance à Thanksgiving. Oh! D'accord. Caillou aida papa et Rosie à remplir la corne d'abondance, encore très contrariée à propos de sa citrouille. Caillou aimait mettre des petites citrouilles dans la corne d'abondance, mais elle lui rappelait sa citrouille. J'aimais ma citrouille. La mienne était bien plus grosse et plus orange que celle-ci. Tu en auras une autre l'année prochaine. Je ne veux pas attendre jusqu'à l'année prochaine. Tu es prêt pour le dîner maintenant? Je suppose. La fête de Thanksgiving avait l'air délicieuse et tout le monde l'aimait. Mais Caillou était toujours triste. Qu'es-tu reconnaissante pour ce Thanksgiving, Rosie? Gilbert! Et pour toi, Caillou? Je ne sais pas, maman. Et pour tous ces bons plats? Eh bien... c'était vraiment délicieux. Et tes jouets? J'ai des jouets sympas, c'est vrai. Caillou pensa à toutes les belles choses qu'il avait. Il se sentait moins contrarié pour sa citrouille. Je suis reconnaissant pour maman, papa et Rosie aussi. Et la délicieuse tarte à la citrouille. Moi et Rosie avons fait ça avec sa citrouille. Elle voulait que tu aies encore de la tarte cette année. Merci, maman! Merci, Rosie! Je suis très reconnaissante pour la tarte! Citrouille! Caillou était ravi d'avoir encore une délicieuse tarte, même si elle n'était pas faite de sa citrouille. J'adore Thanksgiving! C'était une belle journée ensoleillée et Caillou jouait dans son jardin. Caillou entendit quelqu'un rire dans le jardin d'à côté. Il y avait une petite fille qu'il ne connaissait pas. Bonjour, je m'appelle Caillou. Tu veux jouer avec moi? Hola, je suis Isabelle. Si, Caillou. Isabelle utilisait des mots bizarres. Caillou ne comprenait pas tout ce qu'elle disait. Maman m'a acheté un jeu de billes. Qu'est? Caillou s'était assis et roulait toutes ses billes dans l'herbe. Toi, tu peux prendre les billes rouges et moi, je prendrai les bleues. Rojo.
caillou n'avait jamais entendu ce mot. Il aimait sa sonorité. Roho. Quand le jeu fut terminé, Isabelle sortit un petit lapin en peluche de sa poche. Caillou était très curieux. Wow! Tu veux être mon amie? Isabelle sourit et hocha la tête à Caillou. Elle toucha sa joue avec le lapin. Si, d'abord il faut que tu me sauves de ce dragon. Dragon? C'est Gilbert! Non, c'est un dragon effrayant et son trésor. Tu auras besoin d'une épée comme la mienne. Caillou était enthousiaste. Il savait qu'ensemble, ils pouvaient vaincre n'importe quel dragon. À l'attaque! Caillou, que fais-tu? Princesse Isabelle et moi, nous battons contre le dragon. Tu as beaucoup d'imagination, Caillou. Ça, c'est Princesse Isabelle. Elle habite dans le château rouge à côté. Eh bien, enchantée, Isabelle. Viens, Caillou. C'est l'heure de dîner et je crois que Gilbert doit se reposer. Pendant le dîner, Caillou raconta à tout le monde son aventure avec Princesse Isabelle. Et puis le dragon a rugi. Caillou, ne parle pas à la bouche pleine, d'accord? Isabelle avait un drôle de mot pour les billes. Rojo. Non, Caillou. Rojo veut dire rouge en espagnol. Elle te montrait juste la couleur de la bille. Pourquoi parle-t-elle espagnol? Parce que Isabelle vient de l'Espagne. J'ai rencontré ses parents. Ils rentrent en Espagne demain. L'Espagne? C'est où ça? Tu vois, nous habitons ici. Et là habite Isabelle. Mais c'est très loin, l'Espagne! Je ne veux pas qu'elle parte! Caillou était très contrarié. Il ne voulait pas perdre sa nouvelle amie. Ne t'en fais pas, Caillou. Bien qu'Isabelle retourne en Espagne, ça ne vous empêche pas d'être amis. Et si tu lui donnais un petit souvenir? Ça donna une idée à Caillou. Le lendemain, Caillou devait dire au revoir à Isabelle. Je t'ai fait un cadeau, Isabelle, pour que tu ne m'oublies pas. Rojo! Ah, grâce à ce Caillou, il vaincra le dragon. Wow! Adios, Caillou. Adios, Isabelle! Quelques jours après, Caillou terminait son aventure de dragon. Mais c'était moins amusant sans Isabelle. Il y a une surprise spéciale pour toi dans l'ordinateur. Caillou était tout excité, alors il courut à l'ordinateur. Mais quand il arriva, l'écran était noir. Il fut très confus. Hola, Caillou! Isabelle! Isabelle montra la bille que Caillou lui avait donnée. Et Caillou sortit le petit lapin blanc qu'elle lui avait donné. Il était très content de revoir son ami. C'était la fête de Halloween et Caillou était très content parce qu'il adorait se déguiser. Caillou, peux-tu deviner quel costume de Halloween je t'ai fait? Un pompier? Non, ce n'est pas ça. Un astronaute? Non, devine encore. Caillou réfléchissait bien. Qu'est-ce que maman a pu lui faire pour le Halloween? Je sais! Un sorcier magique! Maman lui avait fait un costume de sorcier. Elle l'aida à le mettre. Quelque chose. Papa entra en tenant une drôle de fausse barbe
et un livre étrange. N'oublie pas ta barbe ni ton grimoire. Ah oui! Tu es prêt à faire de la magie, Caillou? Presque, papa! Abracadabra! Oui, Rosie. Ton costume de clown est prêt ici. Rosie vit le costume de clown et maintenant, elle ne voulut plus se déguiser ni sortir. Non! Tu ne veux pas y aller? Non! Caillou était vraiment étonné. Il ne croyait pas que le costume de clown était effrayant, mais Rosie, si. Je crois que Rosie a peur de faire le Halloween. Je reste ici avec elle et tu sors avec papa. Je vais apporter plein de bonbons pour elle. Caillou et papa quittèrent la maison. Il faisait nuit. Tout avait l'air étrange. Il y avait des citrouilles de Halloween partout. Papa, j'ai un peu peur ici dehors. N'aie pas peur, Caillou. Je suis juste là. Caillou marcha tout près de papa. Allons chez Monsieur Hinkle d'abord. Caillou marcha jusqu'à la porte d'entrée de Monsieur Hinkle. Papa attendit au pied de l'escalier. Farce ou friandise ! Bonsoir. Ce n'est pas tous les jours qu'on reçoit une visite d'un sorcier magique. Quelle bonne surprise, Caillou ! J'espère que tu ne m'ensorcelles pas. Caillou était content que Monsieur Hinkle l'ait reconnu. Merci, Monsieur Hinkle. Elle est où, Rosie? Rosie avait un peu trop peur. Elle est restée chez nous avec maman. Eh bien, assure-toi qu'elle reçoive au moins quelques bonbons, d'accord? Des enfants dans toutes sortes de déguisements couraient de maison en maison. Qui était la fille déguisée en fée? Et qui était ce monstre Frankenstein avec qui elle parlait? Regarde-moi, Caillou, je suis un monstre effrayant! Et moi, un sorcier! Ce monstre, c'est Léo, et Clémentine, là, c'est une fée! Oh là là! Vous êtes magnifique! Regarde tous mes bonbons! Clémentine, Léo et Caillou comparèrent leurs sacs de bonbons. Wow! C'est beaucoup! Clémentine, Léo et Caillou décidèrent de faire le reste des maisons ensemble. Friandises. Ils récupérèrent plein de bonbons et leurs sacs furent bientôt remplis de friandises. C'est l'heure de rentrer, là. Oh non! Pas encore! J'ai une idée. On peut encore faire une maison. Ouais! Caillou, Clémentine et Léo marchèrent jusqu'à la porte de la maison de Caillou. Farce aux friandises! Qu'avons-nous ici? Un sorcier, un monstre et une fée. Rosie avait toujours un peu peur. Rosie, c'est moi! Caillou! Rosie commença à glousser. Elle n'avait plus peur de se déguiser. Joyeux Halloween! Chaque matin, Caillou était à l'affût du grand bus scolaire qui passait dans sa rue. Il voyait toujours beaucoup d'enfants qui l'attendaient. L'amie de Caillou, Sarah, monta dans le bus et s'assit. Elle vit Caillou aussi près de la fenêtre. Ça ne va pas, Caillou? Prendre le grand bus scolaire. Quand pourrais-je prendre le bus comme les autres enfants? Bientôt. Encore un anniversaire et tu auras l'âge. C'est trop long, ça. Je veux y aller maintenant. J'ai une idée. Demain matin, on ira parler au chauffeur de bus. Si tu demandes gentiment, peut-être qu'il te laissera monter. Caillou était un peu triste. Mais au moins, il allait voir le bus de près.
Le lendemain matin, Caillou et papa attendaient le bus scolaire. Voilà le bus! Le chauffeur de bus s'arrêta et ouvrit les portes. Bonjour, jeune homme. Comment tu t'appelles? Caillou cacha derrière papa. Il était un peu timide. Il s'appelle Caillou. Il va à l'école l'année prochaine. Ah bon? Ça veut dire que tu prendras mon bus. Comment tu t'appelles? Eh ben, on m'appelle Monsieur Billy, le chauffeur de bus. J'ai très envie de prendre le bus. Je ne peux pas te prendre aujourd'hui puisque le bus est plein. Mais toi et ton papa peuvent revenir demain. Ça t'ira? Ouais, j'ai trop envie. Le lendemain matin, Caillou attendait avec impatience le voyage en bus. Il y pensait sans cesse. Mon petit doigt m'a dit que tu prends le bus ce matin. J'ai trop envie, maman. Bus, pui. J'ai envie de faire un cadeau à Monsieur Billy, le chauffeur, pour le remercier. Tu peux lui faire un dessin. Caillou trouvait que c'était une idée formidable. Il a pris ses crayons de couleur et une feuille de papier. C'est moi conduisant le bus scolaire. Quel très beau dessin, Caillou. Après le petit déjeuner, Caillou rejoignit Sarah à l'arrêt de bus. Tu prends le bus scolaire, Caillou? Caillou hochait la tête fièrement. Il se sentait être un grand. Le bus s'arrêta devant eux et Monsieur Billy ouvrit les portes. Monte, Caillou! Il faut être à l'heure! Caillou est monté dans le bus avec son papa. Caillou et papa s'assirent juste derrière Monsieur Billy. Caillou se sentait comme un vrai chauffeur de bus. Caillou fit coucou à chaque enfant qui montait dans le bus. Prendre le grand bus scolaire était très amusant. Arrêt, départ, arrêt, départ. Le bus se remplit d'enfants de plus en plus. Monsieur Billy les conduisait tous à l'école. À l'école, tous les enfants descendirent, tous sauf Caillou. Monsieur Billy, je t'ai fait un petit dessin. Waouh, quel superbe dessin! C'est toi qui conduis le bus? Caillou hocha la tête, il était très fier de son dessin. Formidable! Je le mettrai ici pour que tout le monde le voie. Il est temps de rentrer. Caillou n'avait pas envie que son voyage en bus se termine. Il s'amusait trop. Mais quand il a vu maman et Rosie qui l'attendaient, Caillou était content de rentrer. Tu m'as vu, maman? Bien sûr que oui. Tu as remercié Monsieur Billy? Merci, Monsieur Billy. Je me suis beaucoup amusée ce matin. Moi aussi, Caillou. Merci de m'avoir rejoint. J'ai un tout petit cadeau pour toi aussi. Monsieur Billy donna un petit bus scolaire à Caillou. Maintenant, tu as ton propre bus scolaire à conduire où et quand tu veux. Wow! Je l'adore! Merci, Monsieur Billy. Caillou salua le bus qui s'éloignait. Merci pour la balade, Monsieur Billy. À bientôt! Caillou avait hâte de grandir pour qu'il puisse prendre le bus scolaire tous les jours. C'était les vacances d'été. Caillou et sa famille allaient à la plage. Caillou avait hâte de découvrir l'océan. C'est encore loin? Pas trop, Caillou. Quand tu verras l'océan, nous sommes bientôt arrivés. Je veux me baigner et construire le plus grand château de sable du monde! Et n'oublie surtout pas les glaces! La glace était le préféré de Caillou. Il était impatient de goûter tous les parfums différents. Miam! Miam! Le voilà! Je vois l'océan là! Quand ils arrivèrent enfin, Caillou sauta vite de la voiture et courut jusqu'à la plage. Ça brûle les orteils! Ne t'en fais pas, Caillou. C'est la chaleur du soleil qui chauffe le sable. Ça ne va pas te faire mal. Caillou était étonné que le sable soit chaud. Il appréciait y enfouir les orteils. Waouh! L'océan!
L'océan s'étendait à l'infini. Caillou n'avait jamais vu quelque chose d'aussi grand. Caillou, le soleil est très fort. Ça veut dire qu'il faut mettre beaucoup de crème solaire et ton chapeau pour éviter les coups de soleil. Caillou pouffait de rire et essayait de s'échapper. Mais maman le tenait fermement. Elle le couvrit de crème solaire. Ça chatouillait. Papa installa l'ombrelle et maman mit Rosie à l'ombre. Caillou était impatient. Il voulait s'amuser. Qui est-ce qui veut aller nager? Moi! 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 Caillou tenait la main de papa. Ensemble, ils coururent vers la mer. Ouh, l'eau est froide! Ça va une fois qu'on s'y habitue. Caillou et papa s'amusaient beaucoup en s'aspergeant et pataguant dans l'eau. Soudain, une grande vague renversa papa. Caillou trouvait que papa avait l'air drôle couvert d'algues. Une autre grande vague vint et prit Caillou au dépourvu. Il n'aimait pas être sous l'eau. Ne t'inquiète pas, Caillou. Soyons prudents et n'allons pas trop loin et faisons attention aux vagues ensemble, d'accord? Waouh, vous deux, c'est le déjeuner. Papa et Caillou avaient très faim après avoir esquivé toutes ces vagues. Caillou mangeait un sandwich, une pomme et buvait de la limonade pour son déjeuner. Miam! Caillou ramassa son sandwich et en prit une bouchée, mais c'était plein de sable. Oh, c'est tombé dans le sable. Je peux pas le manger. Une mouette qui était à proximité descendit et vola le sandwich sableux. Hé, reviens! C'est à moi, ça! Ne t'en fais pas, Caillou. On va manger des glaces à la place. Après le déjeuner, papa emmena Caillou chez le glacier. Il y avait tellement de parfums différents et de toutes couleurs. Caillou n'en croyait pas ses yeux. Je veux essayer les tous. Et si tu commençais par un parfum aujourd'hui, puis un autre à la prochaine? D'accord. Mais comment puis-je choisir quand il y en a autant? Le gentil vendeur de glace laissa Caillou goûter quelques parfums pour qu'il choisisse son préféré. J'aime cette glace-là. Ils achetèrent 4 glaces et retournèrent pour retrouver maman et Rosie. Tu veux montrer à Rosie comment faire un château de sable? Caillou était très enthousiaste et saisit un seau et une pelle. Regarde, Rosie, il faut prendre le seau et faire comme ça. Rosie rit et applaudit avec ses mains. Les châteaux de sable étaient très amusants. Waouh, c'est magnifique! Mais il nous faut un drapeau pour ce château. Soudain, Caillou sentit une vague contre ses pieds. La mer s'était rapprochée et commençait à éroder le château. Oh non! Les vagues détruisent totalement mon château de sable! Comment sont-elles arrivées? Parce que la marée fait monter et descendre la mer. Alors les vagues montent plus haut sur la plage. La marée monte maintenant et cela veut dire qu'il est temps de rentrer, Caillou. Mais mon magnifique château de sable! Ne t'en fais pas! On reviendra un autre jour pour construire un château plus grand. Maman et papa ramassèrent toutes leurs affaires et se dirigèrent vers la voiture. Je veux revenir demain et le jour après et le jour après. Ce sont les meilleures vacances qui soient. Caillou et sa famille ont passé une journée superbe, mais il était impatient de vivre sa prochaine aventure. Caillou et sa famille de spaghettis. Les spaghettis sont... S'il te plaît, Caillou, faire de bruit en mangeant. C'est dur de manger des spaghettis.
Silencieusement, il fit... Crise de hockey. Comment l'arrêter? Mal, le hockey s'arrête tout seul. Caillou attendit un hockey s'arrêter. Hé, j'ai attendu ma partie. Attends, va donc. Caillou construisit une tour dans la fin de son hockey. Et le secoua si fort tour. Souk et tout. Des fois, on peut guérir le cœur. Une petite frayeur. Et le hockey, pas... Tu veux essayer? Et un moment. Il n'est... Mais redoutait le haut. Ok, alors... Il sorta les bras, flotta et sauta vers Caillou. Ça a marché! Oh, pas... J'ai le genre de hockey, pas... Heureusement que je suis là, alors. Champion mondial guérien, je te montre. Sers de l'eau très vite, un tuyau d'arrose peut faire du gâchis. J'essaie. L'eau. Caillou, tuyau, message ici. Pas de souci, Caillou. Aide sous le coude. La sang marche toujours. Tenez en équilibre sur le pas. Papa. Terminé. Retournons à l'intérieur. Tout sera pour connaître le dernier. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Comment guérir ton hockey? Gauche et se frotter là comme ça. Et Rosie trouvait ridicule. Se débarrasser de son hockey à sautiller. Saute pour chasser ce hockey. Saute! Et saute! Jour! Le spaghetti peut-être. Mais les spaghettis sont pour Rosie. Et ce n'est pas les hockey. Je le sais. Et. Écoutez! Raison, le hockey est. Les jeux chassés les plus fers de spaghettis. Je crois qu'il est parti comme tu le disais. Et. Vas-tu vraire des spaghettis? Caillou?